Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment laver son cochon d'Inde. Parce que ici, on a Monsieur Buster et il sent pas bon. Non, pas avec les salles et du sang. Non, il sent pas bon. Il sent pas bon. Bah non, non, il sent plus. Tu sens pas bon. Non, il sent pas le shampoing. Alors, on va le laver. Et je vais vous montrer comment laver son cochon d'Inde. Oui. Alors, il faut au moins le laver très régulièrement. Dès que vous sentez qu'il sent pas bon, vous le lavez. Alors, moi, pour le laver, j'utilise un super shampoing que je commande. Ça vient des États-Unis. Ça s'appelle Cavia Clean. Oui, attends, je vous montre. Cavia Clean. Non, Cavi Clean. Cavi Clean, voilà. Et ça sent super bon. C'est au chef. Non, c'est du patchouli. Ça sent le patchouli. Comme ça, Buster, il va sentir super bon comme maman. Hein, tu vas sentir le patchouli comme moi. Alors voilà, je vais vous montrer donc comment le laver. Alors, dans la petite bassine, j'ai fait couler l'eau. Voilà, elle est bien tiède, elle est bien agréable. Alors maintenant, on va prendre Buster. Voilà, et puis on va le faire tremper. Ah non, Buster, Buster, Buster. Ah, non, attends, reviens, Buster. Non, Buster, Buster, viens. Oui, Buster, Buster, viens. Tu vas aller dans l'eau. Non, Buster. D'habitude, il n'est pas comme ça. Ils adorent être baignés. Les cochons d'Inde, ils adorent. Alors, ben, je sais pas où est Buster, il s'est échappé, il voulait pas aller dans le bain, je comprends pas, hein, parce que ben, c'est normal, il faut les laver, il sentait pas bon, mais il s'est échappé, et en tout cas, comme ça, il sentira plus mauvais dans la maison. Vous l'aurez compris, cette vidéo était à but humoristique et complètement sarcastique. Je suis contre le fait de laver les cochons d'Inde. Un cochon d'Inde ne se lave pas. Parce qu'un cochon d'Inde ne sent pas mauvais. Un cochon d'Inde sent bon. Il sent très très bon. Mmh. Voilà. Donc un cochon d'Inde, pour moi, ça se lave uniquement s'il est malade, s'il a un problème de peau par exemple, donc tout ce qui est gale, teigne, ça va demander des bains. Mais donc c'est thérapeutique, c'est pas la même chose qu'un bain juste pour dire qu'il sent pas bon. Ou alors s'il a par exemple une diarrhée, mais dans ce cas-là, il faudra limiter juste le lavage à l'arrière-train. Mais laver l'animal en entier, jamais. Enfin, c'est vraiment juste faire jeu-jeu avec l'animal pour dire je fais prendre un bain à mon bébé. Donc voilà, pour moi un cochon d'Inde ne se lave pas, on l'accepte comme il est. Un cochon d'Inde sent bon, il a son odeur, donc déjà chaque cochon d'Inde a forcément sa propre odeur corporelle. Buster sent terriblement bon. Hein. S'ils vivent dans une cage avec de la litière, donc du chanvre par exemple, voilà, ils vont sentir le chanvre, ou le foin, s'il y a du foin quand même pas mal par terre, ils vont sentir le foin. Et sur des dry beds, ils ont tendance vraiment à garder leur propre odeur corporelle, c'est ça qui est super. Hein, ils sentent sur un dry bed, ils sentent vraiment leur odeur. Bah oui, on va se plaindre. Donc voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez vous amuser à reliver l'odeur de votre cochon d'Inde, c'est quand même plus dans cette zone-là, auprès des épaules, derrière les oreilles, que vous la ressentirez. C'est quand même davantage là. Et après, il y a des moments où ils sont plus forts que d'autres. Et même dans la journée, hein, ça varie. Voilà. Donc il y a des fois, Buster, je ne peux pas forcément bien sentir son bebeur, mais là, il sent très très bon. Pas de raison de dire qu'ils sentent mauvais parce qu'ils sentent bon. Voilà. Alors forcément, je peux pas. Il n'y a pas de smell au vision. Hein. Je ne peux pas vous partager l'odeur de Buster. C'est dommage. Vous savez pas ce que vous ratez. En tout cas, merci de ne pas les laver. Ça ne sert à rien. Vous n'avez pas à laver votre cochon d'Inde. Laissez-les tranquilles. Et profitez de leur superbe odeur. Voilà, ils sont pas comme nous. Hein. C'est pas comme des humains. Ils n'ont pas besoin d'être lavés. Ils font leur toilette tout seuls comme des grands. Et ça suffit.